شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Toutes les louanges reviennent à Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître, le bien-aimé d'Allah, le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Ô mes nobles frères, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Le thème de notre étude, ô mes frères bien-aimés, porte sur la mise en garde contre la négligence. Allah a dit dans la sourate Al-A'raf, « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. » Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Et donc dans cet exemple, Allah a prédestiné cela pour l'enfer. Et cette figure de style, ici comme le définissent les spécialistes de la langue arabe, se nomme « al-ta'rid ». C'est-à-dire que ces gens à qui Allah a donné ses bienfaits, tels que la vue et l'ouïe, ne serait pas rentré en enfer s'il n'avait pas fait un mauvais usage de ses bienfaits. Certes, l'ouïe, la vue et les cœurs, nous serons tous interrogés sur cela. Ils ont négligé ces bienfaits, car ils les ont utilisés dans le haram, et donc ils ne les ont pas utilisés comme il leur a été demandé. Allah a dit, et nous avons prédestiné l'enfer. Pour qui? Les hommes et les djinns. Allah les a appelés à écouter, à regarder, et à ressentir avec le cœur, mais en vérité, pour que ses moyens se dirigent vers Allah comme il l'a voulu. Mais ils ont fait autre chose que cela. Ils furent parmi les négligents. Ils ont mérité le châtiment. Prends garde à toi, ne gâche pas ces bienfaits qu'Allah a établis. Et beaucoup de gens ont reçu des bienfaits d'Allah, comme le fait d'avoir des enfants, des biens, de la science, du temps et d'avoir la santé. Mais ils ont gâché ces bienfaits, ils les ont voués à autre chose. Et lorsque le musulman regarde son état, combien de temps a-t-il perdu dans une chose inutile? Le bienfait du temps, en effet. Et le fait de perdre son temps, ne fait-il pas partie des grands péchés? Allah est celui qui a assujetti la nuit et le jour pour toi, être humain. La lune, cette planète, on l'a prédestinée à un lieu. Pour qui? Pour les êtres vivants et les animaux? Mais Allah a prédestiné ça pour toi, pour dénombrer le nombre d'années et pour le calcul. Et comment est-ce que tu occupes ce temps qu'Allah a déterminé pour toi, afin que tu aies prête attention? Ne le gâche pas, et éloigne-toi de ces grands péchés. Et comment sont perçus le grand nombre de ces bienfaits? Et Allah a dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. La compréhension est une chose connue. Il faut que tu regardes chacune de ces choses, et que tu les connaisses. Il ne t'est pas permis de passer devant ces choses comme ça sans faire attention. Et Allah a dit en faisant l'éloge de ses adorateurs, ceux qui lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés ne deviennent ni sourds ni aveugles. Surat al-Furqan. Cela est exprimé afin que le cœur soit éprouvé. Comme a dit Allah dans la surat Qaf, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. C'est-à-dire un cœur vivant. Comme Allah a dit dans Surat Yassin, pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Qui est le vivant ici? Il ne s'agit pas du vivant qui respire, qui mange, qui boit et qui bouge. Même les animaux bougent, les insectes bougent, et combien de bêtes parmi tant d'autres dans les mers ou la terre bougent? Ô toi l'être humain, ce n'est pas de cette vie dont il est question. Il s'agit d'une autre vie, la vie liée à la raison, la vie liée au cœur. C'est la proximité que tu as avec les choses présentes, avec le Créateur. Par exemple, la crainte liée à la science pendant la prière, tu immensifies Allah. À cet instant, Allah a dit, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Il a commencé par le cœur, qu'il a mis dans ta poitrine, car c'est le récipient afin que tu comprennes. Comme Allah a dit dans le surat Inshiqaq, je jure par le crépuscule, et par la nuit, et ce qu'elle enveloppe,
et par la lune quand elle devient pleine lune. Vous passerez certes par des états successifs. Qu'ont-ils à ne pas croire, à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or Allah sait bien ce qu'il dissimule. En effet, Allah sait bien ce qu'il dissimule. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent rien. Ils comprennent que les choses apparentes de la vie d'ici-bas, tandis qu'ils sont négligents concernant les affaires de l'au-delà. Puis Allah dit dans la sourate Al-Mulk, la royauté, et le refuge est auprès d'Allah, nous lui implorons le pardon. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils dirent « Mais si, un avertisseur nous est certes venu, mais nous avons crié au mensonge et avons dit « Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. » Et ils dirent « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » Donc mes frères de foi, qu'est-ce que nous comprenons dans ce verset? Eh bien, nous comprenons que cette caractéristique propre à ces gens-là, lorsqu'Allah a dit d'eux, toutes les fois où un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Un avertisseur qui t'avertit, qui te met sur tes gardes, qui te guide afin que tu sois droit et te montre la voie à suivre. Il leur fut dit, ne vous est-il pas parvenu un avertisseur? Ils ont dit, bien sûr. Mais ils ne l'ont pas reconnu comme tel. Mais ils l'ont plutôt traité de menteur, et ont dit « Allah n'a rien fait descendre ». Ils n'ont donc pas donné d'importance et de valeur à cet avertissement, et ils ont dit « Mais c'est plutôt vous, les croyants, qui est dans un grand égarement ». Et lorsqu'il leur est venu la vérité, ils ont dit « Ah, si seulement nous avions raisonné ou entendu, nous ne serions pas dans le châtiment de la fournaise ». Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Prends garde à l'insouciance, mon frère. Réveille-toi et sache où tu vas. Tu as un début, une mission ici, et ta fin se trouve dans l'au-delà. Et nous demandons à Allah de nous préserver de l'insouciance.